reveals the secrets of the past, the present, and what may come to be. Most would think me fortunate to own such a book, but I can only use it in service to others. That is my curse. It wakes, tormenting me once more, feeding on the mysteries of this world, unraveling them into opportunity. But opportunity for whom? Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du Warhammer, Total War. On va se lancer une petite game. Je sais pas quoi choisir, honnêtement, ça va me venir comme ça, je sais pas du tout. Mais aujourd'hui c'est du Warhammer 3, on va essayer de se faire une campagne... je sais pas comment expliquer une campagne... J'hésite entre la faire soit en légendaire, soit la faire... en élevé. Donc c'est à voir, faut que je regarde. Faut que je regarde absolument comment je vais faire et on verra bien. Mais aujourd'hui moi c'est du Warhammer et j'espère que vous allez kiffer. C'est mon but. Après tout. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais choisir? Alors. Les hommes bêtes, en vrai je suis pas forcément là envie de jouer des hommes bêtes parce que les hommes bêtes je les ai déjà joués et puis en vrai je trouve que c'est très très fort. Les hommes bêtes c'est extrêmement fort. On parle des hommes bêtes. Moi je trouve que lui là, est juste fumé. Il est de fumer parce que le fait déjà d'avoir 3 minotaures déjà c'est du grand n'importe quoi. Il y a ça aussi qui fait avec, mais bon. Là, il y a juste un géant. Là, il n'y a rien de plus. Là, 3 minotaures, c'est trop fort. Donc, en vrai, pour le moment, non. Et puis, lui, c'est son truc de dire que bah, je te prends cette zone, vous pouvez pas prendre les villes autour. C'est n'importe quoi. Donc, non, je vais pas prendre lui. Démon du chaos. Tant très bien en vrai. Tant très bien. Partir là. Archeron qui va juste me casser les couilles dès le début. Le reste, je pense qu'il va pas forcément me faire chier. Il va y avoir. Comment il s'appelle l'elfe noir là. Malus qui est ici là. Qui va être chiant. D'ailleurs, lui, ce qui est toujours. Juste voir un truc. Malus qui va me faire chier. We must preserve this world. Teclis. D'accord. Lord Master of Hoeth. Ok, donc je me fais chier pour sur notre campagne. Sur notre campagne, je pensais qu'il est toujours là en fait. Alors déjà sur une autre campagne, Warhammer 2, soit tu joues en empire mortel, soit tu l'avais là. Tu l'avais là, je crois il me semble. Et mais maintenant dans le 3, quand tu jouais par contre ça s'appelle le vortex là. Le grand vortex, enfin bon bref. Tu le jouais ici. Tu partais ici. Mais en empire mortel sur le 2 tu partais ici. Et là tu vois tu pars ici. Bon bah lui il est bon. L'Empire. Alors, c'est ça un truc, l'Empire ne m'a jamais attiré. C'est trop fort. Mais l'Empire ne m'a jamais attiré. C'est pas le personnage qui m'attire. Pas du tout. Enfin les personnages. Alors, les hommes lézards. Lui m'attire pas mal. Il peut se faire vite défoncer la gueule. Par eux là qui vont monter. En vrai ici je pense que pour choper la zone,
va pas forcément me faire chier. C'est que t'arrives ici là. Là ça va pas me plaire. En vrai si lui bon, tu commences là, donc forcément tu vas te sur la gueule avec les mecs qui sont là. Et la plupart du temps eux ils sont éradiqués. Ils sont défoncés. Ouais donc par exemple les ogres. C'est quelque chose que je sais que je n'aime pas jouer. Je sais pas. C'est fort il paraît. C'est extrêmement fort. Mais enfin, si on chope tout, tout est fort. Faut juste savoir les jeux. Il faut savoir jouer le truc. Les coups de vampire. Petit Vlad. Petit Vlad. Petit Vlad. Pas mal. Lui, il est juste giga fumé. Mais il se fait rincer la gueule. C'est un truc de fou furieux. Il se fait rincer la gueule. La Bretonnie, bon, je vais pas la jouer, la Bretonnie, parce que je fais une campagne avec Seb, avec lui, avec Alberic, qui lui joue les Skaven, les Clans Morse. Donc je pense pas que je vais jouer la Bretonnie. Les Elfes, non, en vrai, je pense pas non plus. Très fort. Très très fort. Et là, ils ont mis lui à la place de Teclis. Alors que lui, avant, était à Albion, sur le 2. Mais à Albion, ils ont foutu Belacor maintenant. Lui était à Albion sur le 2. Et lui déjà, il était où? Tu pouvais le jouer là. Mais il était pas là. Il était en bas. Il était ici là. Avec les hauts elfes. Mais maintenant, il n'a plus. Rancaté. Non merci. C'est. Rancaté, il te fonce sous. Alors que. Putain, j'ai pas fait ça. D'accord, ok. Ben, je pensais que je l'avais. Korn Skarwang. Ouais, non, merci. Norska, non plus. Skaven, ça me tente pas trop là. Guerrier du chaos. Alors, guerrier du chaos, qu'est-ce qu'on a? On a Arkao, on a Kolek, on a Sigvald, on a Azazel, Festus, Valkia, Vilish et Belacor. Je pense pas. Je sais pas du tout. Comme je n'ai jamais joué les nains du chaos. Je ne sais pas du tout comment vraiment bien jouer. Je ne sais pas. Détail du seigneur. C'est quoi ça? D'accord, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi de spécial? Il y a quoi de spécial en plus? Il joue beaucoup avec les gobelins, lui. Lui, non. Ah, stylé. Avec le Kadaï, je crois. En face la putain de mission. C'est ça. C'est pas mal quand même, ça me fait bien rire les nains. Avec les nains qui passent. Qu'est-ce que je pourrais partir? Oh, c'est qui tape là? C'est lui? C'est lui? Ah oui, c'est lui. Il va falloir qu'il se détende lui, j'ai pas de compas avec lui. En vrai, je sais pas du tout. Lui à côté des Blood Ghosts là. En vrai, je pense que je vais tenter lui. En vrai, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter lui.
Là pour le moment, on va partir sur ça. On va partir sur lui. Et puis, let's go. Hein. Écoutez, je voulais faire un légendaire, mais on va tenter un élevé. J'ai jamais joué les gardiens du chaos encore, donc c'est une première. On verra bien. Allez, let's go. Regardez, ça c'est le Kadai. Il me semble que c'est le Kadai, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est magnifique. Lui, le moment où je vais l'avoir, lui, ça va être oufissime. Véritable merveille d'ingénierie, la sorcellerie, le grand bastion du Grand Kate a tenu bon tout au long du règne de l'Empereur Dragon, percevant sa civilisation millénaire contre les horreurs, tapis plus au nord. Pourtant, il ne fut pas en mesure de repousser toutes les menaces, car au sein de la frontière de cet immense pouvoir militaire se cachent des espions et des pillards de contrées lointaines. Cherchant à renforcer leur avant-poste, certains souhaitent voir ces empires s'effondrer sur lui-même afin de faire fortune. Mais pour les légions sans fin du chaos, sans annihilation, fera l'affaire. Bah écoutez, on va voir comment ça se passe. Alors je sais que les nains du chaos se jouent un peu comme le chaos, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de ville. Ça va être que des, on va dire des capitales, je crois, des capitales spéciales, spécifiques. Je sais pas comment on dit, spécifiques, je crois. Des capitales spécifiques, je crois, il me semble. Tu peux choper que des certains points. Donc faudra voir. Hein. Le temps que ça charge, je vais chercher à boire. J'ai mis un petit drap sur mes jambes. Il fait super froid, il fait moins 3, moins 4 ou moins 5 degrés, je crois. À peu près. J'ai mis ce petit drap là, ça fait du bien. J'ai hâte de voir comment va être le comment va être cette campagne. J'en ai parlé avec un collègue qui me disait que justement que les guerriers nains du chaos sont extrêmement forts. Enfin, il m'a pas dit que c'était fort. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, je lui ai fait. Qu'est-ce que t'en penses des nains du chaos? Parce que je n'ai jamais encore joué. Il me fait, ouais, moi je les ai fait, ouais. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Et il a juste rigolé. Il a rien dit de plus. Il a juste rigolé. Ah, est-ce qu'il y a un petit crash ou quoi? J'ai un crash ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait marrant, ça n'avait pas commencé que ça a crash, quoi. Ils veulent pas qu'on joue les nains du chaos, quoi. Alors, est-ce que ça revient, tranquillou? Il m'est déjà arrivé un peu de crash, mais de bugger comme ça. Mais pas aussi longtemps. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, écoute. T'as rien à écouter. Ta Elgram Angrafti Vaout. Rast an Azkal.
Les faits travailleront pour nous, les autres mourront. Alors, effet du jeu. L'OST de guerre de Zar. Livrer les batailles et réunissez la main d'œuvre nécessaire pour plus efficacité de votre économie industrielle. Qui, à son tour, simulera votre puissance militaire. Alors. Oui, mais ça vient de quoi? Ok, d'accord, c'est pour ça que je veux voir. Dépensez des armements dans la forge de l'enfer pour monter la capacité de votre force d'unité. Alors déjà. C'est-à-dire. Tu peux. Pardon. Tu peux améliorer tes unités. Ok, si vous avez l'influence du conclave pour vous emparer de puissants sièges de... dans la tour de Zar afin de considérablement renforcer votre faction. Tu peux envoyer des convois militaires dans différents lieux à travers le monde et gérer les risques sur le trajet au bénéfice de votre économie industrielle. D'accord, ok. Ouais, bah ok, d'accord. Toi, je vais te faire rentrer dedans. L'économie des risques se base sur plusieurs sources différentes. La trésorerie, la main d'œuvre, les matières premières et les armements. D'accord. Construire plus de mines augmente votre production potentielle de matières premières, mais augmente également la charge de travail requise pour cette province. Les matières premières sont générées chaque tour dans les bâtiments de mines, dépensent plus de main d'œuvre que de charge de travail dans une province, la production de matières premières diminuera en conséquence. Main d'œuvre est obtenue après la bataille via les convois militaires. Une fraction de cette main d'œuvre est perdue chaque tour sur votre niveau d'autorité. Quand vous recevez la main d'œuvre, celle-ci est partagée étonnamment entre toutes les provinces qui en ont besoin. Vous devez définir ce besoin pour une province. Ouais, alors ça, c'est un peu du style un peu comme les elfes noirs. C'est-à-dire que tu peux. Un peu au niveau pareil que les esclaves. Votre trésorerie, l'influence ou votre autorité en échange de main d'œuvre. Voilà. Ça, les bâtiments en construction afficheront ce bouton construction en natte. Construction en natte vous permet de terminer instantanément la construction en échange. Ce coût dépend de nombre de tours restants. Ok, d'accord, d'accord. Déjà, ça c'est bien. Ça. J'ai mes prix d'armure, perforant l'armure, ouais, c'est pas mal ça. Je vais d'abord faire ça là. Oh, 4000. J'ai pas demandé 4000 moi. Mais sous la croissance là, il n'y a pas de croissance dans. Il n'y a pas de croissance dans le. Dans ça. Mais non, il n'y a pas de croissance. C'est la main d'œuvre. Ok, d'accord. Ok, ok. Je savais pas. Donc ça veut dire. Qu'il faut que je mette ça. D'accord, je vois le truc. Je vais peut-être me focaliser. Plus pas sur le militaire, ça m'intéresse pas forcément pour le moment. Excusez-moi. Je vais partir plus sur ça. Ça commence à marcher. Écoute, on va faire une bataille, on va voir. Je crois qu'il y a même pas besoin de la faire. On va pas la faire la première. Parce que pour le moment ça ne me semble pas nécessaire. Dès que je peux. Alors. Pas mal d'œuvres. Si c'est que c'est comme ça que je comprends. Victoire à la Pyrrhus. Voilà, alors là c'est victoire. On va toujours pareil, je prends ça. Ok, donc il a ça lui. Ok. Je vais augmenter les points de vie plutôt. Alors, on va voir qui c'est que j'ai des copains autour. Alors, j'ai vraiment pas de copains autour, par contre. Ils sont tous méchants. La forge de l'enfer. La forge de l'enfer. Vous pouvez utiliser l'art de la forge pour améliorer vos armées. Les armées. Les armes et les armures y sont forgées et modifiées pour augmenter les capacités d'unité.
et fournir des améliorations d'unité. Une fait une armure que vous pouvez augmenter à côté d'unité, vous pouvez y forger des armes et armures normales, moyennes. Non, des armements pour renforcer plus d'unité. L'unité est répartie entre toutes les unités d'un groupe. Ok, d'accord. D'accord. Changer des armes de sont forgées dans la catégorie unité. Le jeu se remplit pour indiquer la capacité totale augmentée de catégorie. Il y a précisément des options d'art de la forge dans l'onglet manufacture. Celui-ci est indiqué dans l'infobulle de la jauge. D'accord, ok. D'accord. Donc ça veut dire que prochain tour, je peux avoir un comme ça. Je peux avoir ça. Ou ça. Non, ça. Si, c'est ce que je comprends. Alors, c'est pas un Kadai. Si, c'est un Kadai. C'est bon, mais c'est un destructeur, d'accord. Ok. Alors, c'est qu'à mon avis, je pense que tu peux pas déverrouiller. Non, 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 je veux pas. Tu peux pas. On va passer le tour. Forteresse des yeux. Ok. Encore Udiol Ardugal. Isanaxio. Alors lui il veut que je prenne des chevaucheurs de loup, chevaucheurs, enfin bon un peu tout. D'accord. Oui bah ça va bien. Alors là logiquement voilà. Là ce que je peux c'est ça. Moi c'est ce que je comprends. Et il y a besoin d'un mec qui crée notre unité. Après la forge, ok. C'est une cadeau vous permet de voir les unités recrutées et la liste d'options dans la forge. D'accord, ok. Donc tu peux pas faire ça comme ça. Ok, donc ça veut dire que chaque tour. Oh, d'accord, ok. Donc là ça veut dire que je peux débloquer des trucs. Oh putain! Ah ouais. D'accord, c'est. Ok, c'est. Je viens de voir des trucs monstrueux. Donc d'après ce que je comprends, c'est que je peux débloquer des unités là. Ici. Oui alors c'est pour ça, mais attends, ça peut être différent pour certaines personnes. Non, c'est pareil pour tout là. D'accord, ok. Mais logiquement. Je peux pas. On va passer le tour. Je peux apprécier. Je préfère lui faire réduire un peu son armure. Son armure. Son armée. Pardon. Son armile. Son armada. Je crois qu'avec lui, il faut vraiment. Tu vois, je vais avoir pris la faction. Ça va être la plus chiante. Ok, ça c'est nickel. Dans la chaîne montagne, une colonie d'usines pour produire des armements. D'accord, ok. Ça c'est quoi? Infernal, passe sa munition de petit tir. Ouais. Écoutez, on va la faire. Je vais envoyer. On verra bien.
Ils ont que des unités, c'est tout. Moi j'ai des trucs qui peut les taper de loin. Faut juste que je me méfie à deux là, qui vont pas me faire chier lui là. Parce que ça c'est obligé. Ça je vous le dis, ça c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là un peu loin. Derrière eux même, je pourrais le faire spawn. Avec en déploiement d'avant-garde. Et puis ça, j'attends. Ils vont venir à moi. Et lui, il va tirer. On verra bien. On va voir un peu comment ça se joue un peu comme ça. On va appeler là, déjà la gueule qu'ils ont. Parce que j'ai pas trop bien vu leur gueule. Parce que le truc que j'avais, c'est qu'en fait, j'avais pas pris le DLC. J'avais pas pris le DLC. Donc quand je joue en campagne de l'Empire Mortel avec une faction, un exemple d'accord, je crois, et ben je tombais sur eux, mais quand je les voyais, en fait, ils avaient que des gobelins. Ils avaient rien d'autre. Donc c'était pas folichon forcément. Comment ça se passe ici? Donc déjà, toi, moi je dis, toi, j'aimerais bien te mettre quelque part par là-bas. Oh, attends, ça serait trop bien. Toi, par contre, c'est joli leur truc là. J'ai même pas regardé la gueule qu'ils avaient, mes unités là. Y a qui? C'est quoi ça? Maraudeur. Mais est-ce que c'est les maraudeurs que je pense? Non, c'est pas ceux-là. Okay, ben je les vois pas, mais attendez. Eux, on va les mettre là. Attends, est-ce que ça marche? Ça marche, yes. Voilà. Ça, c'est les maraudeurs. Ok, ben écoute, moi je vais te mettre là, toi. Non, il y a du monde. Combien de vitesse? 92 et eux non plus, je crois. 95. Et eux non, 90. Donc pareil, je vais les mettre là. Oh, moi je vais tenter. Là, je vais faire comme ça. Je vais mettre les trois comme ça. Lui derrière. Je vais lui retirer ça. Oh, bam. Puis on va voir. Alors l'avantage. Bon, par contre, il va falloir vous apprendre à tirer par contre. C'est quoi ça? Ça fait un peu comme le bombardier. Gros, par contre, c'est quoi ce truc de tir là? Oh, ils font carnage, ils sont en train de les défoncer. Oh.
Quoi? Mais non, ça touche. Ça va, mais c'est ok. Ouais, bah. Non, je veux dire. Le problème, c'est voilà mon bichon là. Bon, je vais plus tuer mes unités là au lieu de faire autre chose. C'est pas mal, ça fait des dégâts. Pas mal de dégâts, après c'est que le début. Hein. Quand ça va être contre des armées de malades, on va pas rigoler. De reconstruire la colonie en deux parties différentes, poste avancé ou usine. Plus d'un poste avancé d'extraire des matières premières près des mines pour satisfaire le charme de travail requis et nécessaire. Ok, et ben on va tenter ça. Mais on repassera au niveau, mais moi je vais faire ça. Ils m'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit qu'il fallait quelque chose pour l'usine. Ouais, 32, ça me donne pas. Alors maintenant, c'est deux choses différentes, voilà, c'est ça qui me semble. Ah oui, bon, 150 par tour. Ouais, non, ça fait beaucoup, ça. Oui, mais d'accord. Ok. Bon, je dis pas non. Ça c'est 4000, d'accord, ok. Ok, alors ça c'est comme ça. Merde. Je vois d'ici, donc là ça se passe comme ça. Et ben j'ai pas compris ça comme ça. Je pensais que t'en avais deux là. C'est quoi? Traqué, donc à mon avis je pense qu'il peut se foutre en fufu, ça va être bien ça pour tout début. Ça c'est quoi? De la merdouille. En fait c'est juste qu'il faut de la chair pour le moment. Mais le problème c'est que là ça sert à rien que j'en ai de la chair. Par contre non. Même s'il tire pas, comme il tire pas comme la merde, je vais essayer de jouer comme ça. Alors moi j'ai une technique au tout début, enfin une technique, petite astuce pour moi je trouve. Tu fonces avec ton seigneur, tu t'occupes pas du reste, tu fonces sur l'attaque éclair. L'attaque éclair, je trouve que c'est trop fort. Ça te sauve des batailles, mais tu imagines même pas. Ça sauve des batailles, mais un truc de fou. Alors. Je me fiche. Ah bah bon, pour le moment c'est ce qui m'intéresse le plus, on va dire. Non mais l'autorité, pourquoi?
Est-ce qu'il me faut plus de manœuvres? Faire ça pour le moment et d'accord, puis on verra. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, j'ai un pagne. Mais nickel ça. C'est nickel tout ça. Is the Kazakh monger from Master Legion. On a un peu de. Alors ça fait mal, mais ça met du temps, beaucoup de temps. On va voir ça comme ça. On va faire ça. Je vais faire ça. Le prochain tour, je vais commencer par me diriger là-bas. On va voir si je me suis fait des copains. Alors j'ai eux, je suis pas fait en copain. Putain, 53. Ah, alors collecte, ça m'intéresse. Alors pour le moment, collecte, ça m'intéresse. Je veux l'avoir dans ma poche pour le moment. Ouais, mais ça on verra plus tard. Oh, il va trop d'espèce. Collecte, il me le faut dans ma poche pour le moment. Collecte, genre, je suis trop fort. Champion trop monstrueux. C'est tout. Un seigneur légendaire qui. Tu peux avoir 10 000 d'armor quoi. C'est un truc de fou. Comment ce champion est fort. Il y a Kolek, il y a Vilich à côté. Vilich en vrai. Je sais pas si c'est vraiment bien de l'avoir. Ah, je peux envoyer un convoi militaire. Oh, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées, je n'ai rien compris. Créer un nouveau convoi. Alors, qu'est-ce qu'il a? D'accord, ok. Machine de guerre. Ok. Ouais. On va faire ça. Moi je suis là. Oui, d'accord. Et ben pourquoi je l'enverrai pas là-bas? Voilà. D'accord, ok. D'accord. Okay. J'avais pas compris. J'avais pas compris comme ça. Tu peux choisir le truc. Non, je vais l'envoyer. Ouais. Il est où? Peut-être qu'il apparaîtra dans le tour. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Ok, ouais. Ouais, ok. Je vais faire ça pour le moment. Partir sur ça. Commencer ici. Ça s'entend. D'accord, mec. Est-ce que je peux te mettre en. Oh, ouais. Merde, bah, c'est pas malin de foutre mon roi de chez moi. Alors, j'ai cru qu'il va partir d'ici, hein. Si je suis pas bête. Est-ce que, genre, déjà, est-ce qu'on va le voir? Question. Rencontre du convoi hôtelier. Je t'avais juste de commencer. Bien à peine. Il s'est levé. Mais un des éclaireurs a déjà repéré une large plateforme en pierre dans un coin isolé. 8 marches menant à une arène à 8 côtes creusées de sillon pour évacuer le sang versé. Il s'agit incontestablement d'un hôtel de combat de cornes. Voilà l'endroit idéal pour entraîner des troupes ou les renforcer. C'est quoi? C'est que ça prendrait un tour de plus, ça? Un tour de plus, j'ai pas me plaindre. Tempête de fer. Ouais, il a ça. Ouais, alors ça veut dire. Que je ne maîtrise pas ça, et que après j'y vais. Pas mal ça. Ah, attendez. Matière première, 200 partout lorsque les conditions de charge sont remplies. Charge de travail plus 300. Vous devez conserver autant de main d'œuvre. Ah, c'est le combat, je dis, il fait quoi lui? Cartouchière! Il est où le mongolien là? Il est, ah, il est là-bas. D'accord, ça veut dire. Est-ce qu'il part de là-bas? Je sais pas. Je ne sais pas. Je pensais qu'il part de là-bas. Je crois que c'est ça. J'ai strictement rien dit. Voilà, ok. J'ai rencontré déjà pas mal de factions. Il n'a pas voulu m'attaquer. Mais par contre, il fait le tour. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai ça. Est-ce que si je me fous en embuscade? Il faut le descendre. Oui, pour avoir ça, mais oui, donc ça veut dire que ça, eux ils l'ont là, lui là. Lui il a la frénésie.
Logiquement, c'est ça que je comprends. Que lui, il a la frénésie. Ok. Donc là, ça devrait faire comme ça. Au niveau de la diplomatie. Celestial ancestors. Oh, il m'aime pas beaucoup, le pas du tout. Toi, ça va venir petit à petit. Ok. D'accord, on va passer le tour, on va voir. On va voir comment ça se passe. Je suis foutu en embuscade. Alors, est-ce que ça va marcher? J'ai une chance sur deux. Une puissance rivale. Non, non, non. M'intéresse pas. Il l'a pas vu. Tant mieux. Ça m'intéresse pas. Je perds en cargaison, mais c'est pas le but. Non, non, non. Alors lui, il m'a pas vu. Pas de chance, mon petit. Défaite. Oh, je sais pas ce qu'il a ça. Là, il vient juste de le recruter, c'est obligé. Mais on va voir. Hein. On verra bien. Juste parce qu'il a ça. Si j'arrive à me choper un peu d'auteur pour mes arbusiers là, parce qu'ils ont un peu de mal à tirer. Et puis surtout que ça tire sur mes mecs à moi, donc c'est pas non plus le but. Hein. Est-ce qu'il y a un peu d'auteur quelque part? Ouais, ici là. Même pas là. Là, tu fous les arquebusiers ici. Bon alors attends. Attends. Non, je vais me foutre dans le coin là-bas, là. Foutre ici dans le coin, là. Alors déjà ici, je vais mettre ça là. Attends. Je passe bien, là. Voilà, vers eux. Je vais mettre... les arquebusiers en haut de la colline. Toi là. Et toi là. Quant à vous. Quant à eux, je vais les mettre encore plus devant. J'ai pas fait gaffe s'il y avait. Oh, c'est juste des trolls. Je crois qu'il y a que des trolls. Ils sont où les aspirants champions là? Ils sont là. C'est eux qu'il faut que je focus. Plutôt faire ça comme ça. C'est pas mon regard. Ils sont. Screwed.
au jeu comme ça. Nickel. L'autre vient de littéralement lui tirer dessus. Pour l'instant, comme ça, lui va pouvoir s'approcher. Déjà, un truc qui est bien, c'est que je leur retire une armée. Donc, j'avoue, là. Bien ça. Je retire l'armée. Je enlève déjà des. Attends, toi, par contre. Alors attends, parce que je veux voir. Merde. Dégâts à distance, projectile, portée, d'accord. Et ça, pareil. Dès que tu peux, tu tiens. Là. Alors, on va voir comment ça marche. Elle te loupe pas, t'es une patte à cible. Oh, ça fait mal! Je le découvre. Surtout déjà les rien que les guerriers du chaos, je les découvre à peine. Je l'ai eu depuis un petit moment le DLC, mais là j'ai juste de le découvrir, on verra bien. J'essaie de comprendre un peu comment ça marche là, tout ce qui est manœuvre et tout. On va voir. Peut-être que c'est la portée de flèche et je vais les envoyer. Bon bah il devrait l'être là. Je vais faire ça rapprocher un peu. Oui. Hop. Doomskar key. On va voir comment c'est. Ouais, il a un commandement hyper faible. On va voir ça. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ouais. Ils vont revenir par derrière en plus. Qu'est-ce que. Nickel, ils reviennent tous par derrière en plus. Ils vont tous par derrière, ça va être nickel. Tire par là. Tire
tirer sur lui là. Oh, rien de manqué. Étonnant que les aspirants champions n'ont pas fait plus de dégâts que ça. 48 quand même, mais ça a coupé ça. Il y a un certain lourd. Deux doigts en plus. Rien à voir, regardez. Ouais, on va passer. C'est étonnant quand même. Bah, ils ont bien tenu là. Bon, après, c'est vrai que les autres, vu qu'ils ont des commandements faibles, ils vont pas tenir énormément. Non, c'est pas trop mal. Ça fait des dégâts. C'est ouf. Pour le début de partie, t'as ça. C'est des trucs de monstrueux. Ça met énormément de temps à se recharger. Mais qu'est-ce que c'est monstrueux? C'est super OP, je trouve. Moi, je vais prendre de la main d'œuvre. En vrai, la reconstitution m'intéresse pas. On va pas te laisser partir, bien évidemment. Ça commence au niveau 10, d'accord. Juste ça qui meurt, c'est pas très grave. J'ai vu que c'est pas plus embêtant que ça. Nickel déjà, niveau 7 il a déjà un grand taurus. Moi je focus toujours ça, je trouve ça trop bien ça. Jusqu'à l'attaque éclair. Là il y a quoi? Ouais. Je préfère focus directement ça jusqu'à l'attaque éclair. Bien ça, la table. Sumazma. On va faire ça. Je vais se régénérer un peu, lui. Nous avons un commandement. Ah non, c'est pas eux. Par contre, ouais, non, c'est OP, hein. C'est OP, leur truc, hein. Ouais, t'en perds 100, mais t'en récupères 300. Donc en vrai, c'est pas trop mal. Que c'est que ça? C'est quoi, ça? D'accord, ok, là il t'explique comment ça se passe. Pour ça, crame t'es pas hardi. Alors, la main d'œuvre vous permet de voir et gérer la main d'œuvre répartie dans vos provinces.
D'accord, ouais. Mais j'aimerais en donner un peu. Là, comme ça, en vrai. T'en donnes 100. Mais je valide. Donc là les deux marchent à 100%. Pourquoi moins 7 toi? Bon, après c'est que le début, j'ai vu qu'une seule truc. Comment ça se passe ici? Avec toi. C'est pas forcément. Pour le moment j'ai envie de te dire. J'ai envie de foutre ça. On verra bien. Oh mais je peux pas. Coûte moins cher que le chaos en elle-même, mais ça va, ouais. Attendez. Ça c'est quoi? Position d'armement, c'est très bien ça. Même pour ça. Alors là ils disent que je peux avoir, si je peux avoir encore des arquebusiers, ça c'est nickel ça, si je peux en avoir. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ça, alors ça je peux avoir ça. Nickel ça. Attaque aux collisions. Ça a l'air d'être fou furieux. Leur truc comme ça, c'est. Ça a l'air d'être fou furieux. Je te jure, ça a l'air d'être fou furieux. Mais je pense pas que je vais me focaliser sur ça, je vais plutôt partir sur ça. Je vais prendre ça là. Il me faut un peu d'unité comme ça là. Voilà, attends, je vais essayer parce que je l'ai pris. Mais... ça c'est là contre une mêlée. Voilà, arquebusier. Ah mais de toute façon parce que ça je l'ai pas mis encore ça. Par unité x3, donc ça prendra 24. Ok, frénésie, d'accord. Ok, je pense que je vais pouvoir le mettre, c'est pas gênant. Ça me non, ça me fera pas forcément du mal. Par contre, vous, ça va piquer aussi. Ça va piquer aussi ça. Mais par contre, pourquoi je ne peux pas le. Pourquoi je ne peux pas le. Quoi ça? Oui. Mais pourquoi je ne peux pas le mettre? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore le. Ben oui, non, mais c'est. Je pose la question, mais c'est ça. Je pose la question, mais c'est littéralement ça. Ça, ils m'ont pas. Si, en vrai, j'ai rien dit. Mais je vais en garder, je vais en prendre qu'un. Je vais m'en foutre ça, et puis je vais m'en remettre à comme ça. Je veux des boucliers de chair un peu là. La poudre à canon. Oui, alors, collègue, j'ai pas envie d'être méchant avec lui. Pour le moment. 100%, ça c'est nickel. Ça va se remettre d'aplomb. Je pense que on est pas trop mal. L'autre devrait pas tarder à arriver. Le mec que j'ai envoyé.
suffit que j'en parle. Il suffit que j'en parle. Alors, un chevaucheur de loups hobgoblin s'apprête à partir avec un ravitaillement de surplus d'armurerie muret de la Forge de l'Enfer pour le convoi. Tout en nous assurant de lui confier autant que sa monture déchaînée est capable de porter, nous devons également décider quel équipement fournira au convoi les meilleures chances de repousser toute menace éventuelle. Ah, mais non, Matrinas. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça qui me parle, lui? Qu'est-ce qui me parlait? Revendiqué, j'ai vu. Il se trouve où, celui-là? Revendiquer la tour de Zar. Alors, bien, se trouve ce tour de Zar. C'est pas ce. Ça doit être là. Ou alors, je suis débile et que. Je sais pas, faut que je regarde, on verra bien. Je vais me foutre là. Je vais recruter des. La bouse là. Je vais recruter un peu de bouse là. Je vais recruter un peu de bouseux là. Ça va leur faire mal ces petits bouseux. La tour de Zar. Ça j'y connais pas. On va voir. Alors, la tour de Zar est composée de sièges dont vous pouvez vous emparer. Pour obtenir le plus 5 récompense pour votre faction. Il y a tellement de trucs dans les nains du chaos. Les chaos se le disputent. Fait dispute, d'accord. Passe un curseur sur un siège pour avoir sa récompense. Pour le revendiquer. Ok, conclave, la quantité requise est indiquée sur chaque siège. Les sièges sont rassemblés en quartier. Il existe 3 types de quartiers, sorcellerie, militaire et industrie. Lorsque tous les sièges en quartier ont été revendiqués, un bonus de compulsion de quartier est accroché. Vous pouvez consulter ici les détails de cette récompense. Les bonus sont partagés entre toutes les factions nains du chaos. D'accord. Ok, l'introduisez en 4 niveaux. Chaque niveau supérieur déverrouille. Comment vous passez l'un ou l'autre, vous devez sélectionner une sur une vers le haut ou le bas. Regardons ensuite au niveau supérieur. D'accord, ok. Ok. Ok, d'accord. Pardon. Bon, s'ils me disent que je peux le faire, ça veut dire que je peux le faire. Manger que 5 par, tour, c'est pas forcément folichon, mais. Alors, ça, c'est trop bien. Ok, portée de déplacement. Ouais. Botte. Armure de mépris. Ouais, bon, on va faire ça. Revendiquer le siège. Ok. Donc je pensais qu'il fallait faire quelque chose, un truc de ce style, mais pas du tout en fait. Siège. Quartier. Ok, non. C'est n'importe quoi. Je viens de voir un truc là, c'est. C'est oufissime. J'attendais pas à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Je peux pas voir ça. On va attendre un peu. Non mais en fait, je suis pas encore arrivé du tout en fait. Bon, c'est le début, hein. Je pense à un petit truc. Tout à l'heure, ils proposaient d'enlever des 100 cargaisons pour un mammouth. Non, merci. On va regarder ce que j'ai. Ah bah, bonjour Léa Pécourt, je vois qu'on travaille bien. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais... Normalement je vais réussir une mission, là, logiquement je réussis la mission. MDR en fait là. Hashut Vengrin
Uskazital. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait. Ouais, on va ajouter ça. Que c'est ça, ce mec? J'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Toi là, mais. Ouais, alors là, je pense que ça va me casser les couilles parce que là, il va avoir une bonne garnison plus. Ah non. Je pensais. Si j'arrive à choper les portes avant eux. Nickel, prendre ça. Toi, je m'en fiche. Oula, oui, non, j'ai pas fait gaffe. Bon, après 1002 par tour, je récupère 300. Qu'est-ce que je viens de voir là? Pourquoi je peux pas le. D'accord, ok. Ouais, mais 300 par tour, je récupère vite. Je vais faire ça. Je peux choper ça. Mais je pourrais pas aller jusqu'à. Jusqu'à eux. Donc ça, non, je vais le mettre là. Je pense que je peux le mettre là, je suis pas sûr. Quant à toi, je peux avoir ça, je vais qu'à avoir eux, mais je pourrais pas avoir eux. Non, je pense que dans les usines, je vais focus juste les usines et les machins comme ça, je vais juste focus ce truc là. Je pense. Oh, mais fait exprès ou quoi? J'arrive, je reviens. Mais pour 2 secondes. Désolé, un appel d'une personne dérangeante. Ouais, par contre, ça va être ça. S'il arrive pas à. Moi, ça me fait chier là. Je préfère faire des trucs comme ça là. Ici, je m'en fous en fait, au tout début. Lui, tant que j'ai lui en fait, ça me gêne pas. Les autres, je m'en fous un peu. Je vais focus ça. Oh, je peux avoir des arquebusiers de suite là. Non, pas de suite, mais quand même, donne-moi. Hein. J'ai même pas assez pour le faire ça. Ça, j'ai même pas assez. Non, non, moi je vais attendre. Je pense que c'est mieux. Ouais, je vais attendre. Je préfère attendre pour voir ce que ça fait. On verra bien. Et alors. Non, alors, c'est pas en fait. Je pensais que c'était comme le chaos. C'est vraiment comme le chaos. Tu peux avoir ta capitale. Alors, je crois pas que ça marche comme ça. Il y a Village, le maudit là. Ouais, il va me faire chier lui, je pense aussi. D'accord. Ok. On va faire ça. Il en est où lui là? Parce que il me dit ce qu'il s'est fait défoncer la gueule. Qu'il se fait défoncer la gueule ou quoi? Pas du tout. C'est quel est ses mensonges? Sorti de tout droit de.
Les portes de l'enfer. Ou alors, peut-être que lui me sauve la vie. Peut-être que lui me sauve la vie. Oh non. Mais on va attendre. Et j'espère qu'ils vont m'attaquer. On va faire ça. Toujours obligé de gueuler comme un putain aussi. Don't speak silence. Je peux pas. Ouais, mais par contre, collègue, j'ai l'impression qu'il de plus en plus il demande. Là, voilà, nickel. Ça c'est quoi? Ça m'intéresse. Ah ça m'intéresse. Comment se passe ça là? Ça galère un peu partout. On va mettre ça aussi, comme ça tout le monde en aura un peu. Faut partager, voyons. Là, ce que je veux, c'est qu'il m'attaque. Je voudrais qu'il m'attaque là. Il m'attaque. Bon, déjà, d'une, il va y avoir le renfort. Donc, c'est début parti. Ça, les renforts viennent au bout de 2 minutes. Donc, là, j'ai l'attaque instant. Il m'attaque pas, il se barre. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais c'est où que je l'ai eu ça? Gagné. D'accord, mais. Peut-être faut que je dans la capitale, mais je veux dire. On va voir. J'ai un peu de mal à comprendre 2 ou 3 trucs. Oh putain, Carnot, tu sais barrer, c'est des victoires décisives. Bah, ok. Oh putain! Lorsque les nains du chaos capturent les colonies principales, ils ont possible de reconstruire une colonie en 3 types de différents postes avancés d'usine ou tours. D'accord. Le tour essentiel de l'empire des nains du chaos, construire des édifices permet un recrutement de meilleure qualité et fournit divers bonus généraux pour augmenter vos puissances. Bah, ça peut faire. On est très fiers de conclave. Si vous changez d'avis. Ouais, bon, ça c'est pas mal. Bah, je peux pas. Par contre, ça. Intéressant. Grave intéressant ça. Et puis tu retournes. Là, tu prends la tombe. Alors. Pas mal ça. Ici, autorité. On va partir sur ça. Quant à toi. Qu'est-ce que c'est que ça ce jeu? Ok. Ouais. Là c'est de la thune. Moi il me faut pas forcément de la thune, là il me faut. C'est 7500 le truc. C'était la blonde. Bonjour, le grand ventre. Quant à toi, le chercheur d'ennemis, quant à toi. Alors attends. Parce que pour le moment. Marink.
c'est qui l'a? C'est le mec, c'est lui qui l'a. C'est sa patoche, ça. Et toi, si tu te bats, tu peux pas choper autre chose? Non, c'est lui qui l'a. Mais ça, oui, d'accord. Mais ça veut dire que toi, t'as plus de nation. Eh, mec. J'ai pensé avant ça. Alors, on en est ici. Le truc, c'est que oui, je suis bien content de pouvoir faire ça, mais ça sert à rien que je me fasse des trucs comme ça si je ne peux pas les avoir. Et oui. Parce que là, je peux me faire quoi? Je peux me faire que ça. C'est tout ce que je peux faire. Pour le moment, moi, je propose qu'on attend. Plus de... D'accord. Merde. Pour le moment, en vrai, j'ai envie de me focus sur avoir une bonne entente, là. Plus 7. Parce que moi, j'aime la bonne entente. Et il y a que moi qui part sur ça, ou comment ça se passe? Ok. Ouais. J'ai bien l'impression que j'ai que moi qui peux avoir ça pour le moment. Ah, c'est le tour. Ce serait stylé que Warhammer mette en place. Après, peut-être que c'est trop fort. Mette en place un système que si ton héros il fait tellement de trucs, il est super fort, il vient manger un truc qu'il puisse passer en seigneur. T'imagines, t'as un seigneur, t'as un héros qui est niveau 25, un exemple. Je trouve ça. Il va être pas mal, il va pas être forcément nul. Et puis là d'un coup, tu le fais. Ok. Tu le fais passer de niveau quoi. Et le truc il est monstrueux. Tu fais passer niveau. Tu le fais passer en senior. Toi c'est ciao hein. Avec mon taureau là. J'ai un système de taureau. C'est ciao. C'est ciao j'ai dit. Quant à toi, tu serais pas pote par hasard avec. Ouais, le problème, c'est que si je me bats contre toi, faut que je me batte contre lui. Et comment dire que peut-être je suis pas forcément encore. OP. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être aller me battre contre eux. Ça, et ça, je peux faire que ça. J'ai tout qui va augmenter. Après, là, au niveau des convois, est-ce que je peux pas en envoyer d'autres? Oh, toi, t'es bien, toi. D'accord, ok. Bah, alors, est-ce qu'il faut qu'il rentre? Je sais pas s'il faut qu'il rentre en fait. Est-ce qu'il faut qu'il rentre? C'est ça le problème. Je veux juste voir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est par là? Il est parti jusqu'à où le gazier là? Attends, on va voir. Lui il est bien le gobelin. Pardon? Mais gros, à aucun moment lui il se fait choper, je te le dis d'avance. Hein. À aucun moment il se fait choper. Il a un cadaï, il a un destructeur cadaï le mec. S'il te plaît, dose un peu. Dose. Nickel ça. Oui, mais pas ici. Bah, par exemple, regarde Château de Drakanov. Oh putain, j'ai même mieux là. Ah non, là j'en vois ça. Mais moi justement, je veux pas ça. Moi je veux l'inverse. 8 tours.
8 tours. 8 tours, et je suis à lui. Et lui, il a pu le passer. En vrai, je sais pas. Bon, allez, en vrai, tu vas aller chercher dans le canof. Moi, je vais envoyer lui, là. Retour à la capitale. Juste débile. Retour à la capitale, royal. C'est juste que c'est moi qui réponds. C'est juste que non, mais à mon avis, il faut juste que l'attendre que j'ai les unités, c'est tout. C'est tout. Attendez, est-ce que je pourrais pas choper ça en attendant? Je peux rien avoir. Mais il faut que j'aille. Oui, mais on va aller là et puis on va recruter un peu. Cette bataille. Le truc, c'est que je la ferai bien. Parce qu'en fait, je me dis que j'ai un destructeur Kadai et j'ai de l'anti-infanterie. C'est que je pense que je vais me faire défoncer la gueule. Je pense que je vais faire défoncer la gueule. Écoutez. Ouais, voilà. Défaite valeureuse. Ouais, j'ai un destructeur Kadai. Ouais, mais putain, il fallait que j'ai de l'anti-large. Mais je vais envoyer U sur E. Lui et unité sur E. Et le Kadai, je vais l'envoyer sur là. Et puis lui, il va se battre contre leur signe. Écoutez, on va tenter. On va tenter. Ça peut peut-être passer, mais il faut voir. Ça peut peut-être passer. J'ai quand même 3 unités en moi, après j'ai... Ce qui va me faire chier, c'est que là, j'ai mes les chiens là, ils vont... Tout me foncer sur mes mecs et l'anti-infanterie, ils vont envoyer. Ils vont envoyer tout, quoi. Il y a une grande chance que je me fasse. Oh, voyons voir un peu ça. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Énervé le mec. Qu'est-ce qu'ils sont bons? Alors l'avantage, qui est trop bien, je suis en pente. Et ça, c'est un avantage de fou. Parce qu'en vrai, j'ai juste à faire clac clac. Comme ça. Comme ça. Je suis comme ça. Je peux le mettre derrière? Je vais le mettre derrière. Et vous, j'ai envie de vous planquer, vous, en fait. Ouais, bah là, forcément, j'ai pas de bol. Parce qu'à lui, alors, ils vont arriver là. Faudrait peut-être que je repositionne le truc. Peut-être de ça. Cette manière. Non, j'ai pas dit ça. Ça,
Drashkazar Dwagus. Utidu Anraktak. Nickel ça, ça peut peut-être sauver. On va voir. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Je vais leur laisser la place. Allez, 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 allez. Odion Ardugan, Draftjar, Ikoldas, Akhtemun, Oskar, Ardugan Tak, Askan, Askan, Ei, Ei. De leur tirer dessus là. Oh, nickel. Bien côté, bien côté. Drashkazar Dwagus. Utshad Ulzuk Id. Victoire est à portée de main. Char-Unazan. Manzu
On se barre tous là, je vais lui faire buter. Je m'y attendais pas. Hein. Bon après... heureusement que j'avais des unités anti-infanterie. Eux ils ont fait grave le taf, ce qui me fait chier c'est qu'ils soient morts. Ça me fait chier qu'ils soient morts, mais ils ont fait grave le taf. J'ai trouvé qu'ils ont... Alors, pour le peu de mille que j'avais, j'ai trouvé qu'ils ont été mais résistants. Après c'est peut-être le fait aussi que bah, la capacité là, qu'ils augmentent leur armor là, je trouve ça trop fort. Le géant, bah ouais, le géant forcément il était casse-couille. je les perds en plus, c'est ça qui fait chier. Bon, on va essayer de se choper de la manœuvre. Hein. Qu'est-ce qu'il faut ? Nickel ça. Putain, maximal de 15. Ok, bah nickel ça. Le nickel, lui, il a vu ça. Tarazantaraza. Il s'est fait déjement. M'étonne ou quoi ? Avant de faire toi, alors, on va regarder un peu ici. Ok, ouais. Plus 100 par tour. Convoi disponible. Nickel, ça. Je peux le renvoyer. Allez, alors, tu vas m'aller. Pour 1100, tu vas m'aller à... Non, moi c'est la thune qu'il faut que je donne. En vrai, j'aimerais bien choper un peu de... Ouais, faudrait que t'ailles... 5008, c'est dans ça. Pour combien ? Non, mais c'est 440 d'armement. Pour le moment, j'en ai pas forcément. Tu vas aller au... Eh ben tu vas aller au rocher noir, mon poulet. C'est tout. Hein. C'est tout. Aïe. Il fait mal, il a dit. Il a fait aïe. Pour le moment, là, je peux pas. Je me fais genre juste éradiquer, je pense. Ta guise. Et en fait, ça fait quoi le combien de. Domaine de chute. Non. Un superviseur en vrai. C'est quoi lui par les attaques enflammées et lui et pareil je vais aller foutre lui là dedans. Ouais voilà tu peux choper ça. Tu peux en avoir un. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais envoyer, je vais faire une armée full pourrie, caca, de shit. Je vais l'envoyer sans choper les tours. Les remparts, pardon. Et dès que j'ai les remparts, bah, tant mieux quoi. Faut que j'arrive à choper les remparts avant qu'ils. Avant qu'il me. Qu'il confédère.
Reste sur le chemin. Déjà, toi, si t'es là. Et toi. Abdallah. Mais pas toi. Toi, j'ai dit. Ah oh oui, non mais bien sûr. Moi, je le crois entièrement ce qu'il vient de dire. Et lui, on va lui faire une armée de caca, j'ai dit. Hashut Vengrin Uskazital. Azuka Oswatot. Tu peux voir ça. C'est nickel. Ouais. En fait, je peux déjà le faire. Mais le truc, c'est que je vais être obligé de l'avoir là ici. Mais là, ce qu'il me faudrait. Oh putain, oui. Et même un Taurus, ça serait pas mal, ça aussi. Ouais. On va faire ça ici. Et toi, on va t'améliorer. D'abord, Arzoum! Ici ça commence à augmenter. Comment ça se passe ici? Le problème, il y a ça, il y a un truc. C'est que je veux pas. Comment expliquer? Je veux pas menacer des gens. Parce que je sais que je vais me faire. Ils vont dire non. Genre, enfin, je sais peut-être pas, hein, mais je sens hein, pratiquement à 100%, 97% ou 15% qui va dire non. Bon, ouais, écoute, je te défonce, défonce la gueule. T'es pas une menace pour moi. Après, t'es rang 1. T'es rang 1 en termes de force. De quoi? Ah mais ils ont été là. Bah écoute, moi plus que. Plutôt pas mal ça aussi. Ouais. Ça peut être pas mal ça. Toi qui tu. Ouais. Après avoir remporté une bataille, pas mal ça. D'accord, ok. Super. Après déjà t'as le caca. Ouais, alors on va attendre 5 minutes là, on va faire ça. Ouais, c'est pareil pour toi. Ouais. Axo Ardugal. Rick. Uddak. Y'a Rick. J'ai entendu. Abdarno Hazka. Combien de tours? Deux tours. On part dessus deux tours, je vais attaquer. Ouais, il a juste ça. Ça. Bon, il a comme ça. It is acceptable. Certainly. Do not waste your breath, villain. Vilain, oui, oui. Je suis vilain. C'est exactement le terme. The gods might compel me to kill.
passer. T'entends gueuler partout là. Marink. Mais ouais, mais bon. Bah, je sais bien, mais bon, au bout d'un moment, faut bien que j'avance. Hein. Moi, je suis désolé, mon bichon. Tagorn Bezeki. Bezeki. Il vient de le dire. Alors, je sais pas de qui il parle. Mais y'a personne qui va lui tomber dessus. Mais passer un bon moment, déjà, ça c'est sûr. Bezeki. Alors je sais pas qui, mais il va y aller. Casserait pas un peu les couilles, hein. Guette-moi ce salopio. Et lui, il vient juste d'arriver, quoi, gros. C'était quoi, ça? Je m'en fous. Oui, oui, à chou, à chou. J'aime les choux. Nickel. Ça, c'est à moi. J'ouvre immédiatement une brèche. Tout ça, c'est réglé. Voilà une phobie, là. Sorcellerie, c'est quoi, ça? Ok. Ouais, bah pour le moment, je vais faire ça. On va voir. Alors, je vais sauvegarder. Je vais juste tenter un truc. Il y avait déclaré là. Déclarer la guerre à lui. Beyond reason. Beyond sanity. Défaite de justesse. Alors j'ai eux qui arrivent. Attends, mais c'est pas ça, il me fallait que j'attaque. Lui que j'attaque. J'adore. To touch a dragonborn is blasphemy. Hey. Smack off, Seifu Drek. Tenter 1x3. 260, 390, 392. Bon, ben. On fait comme ça pour les patates. Comme ça. Ouais, je déclarais la guerre, je pense que ça me fait pas. Je pense pas qu'ils me battent. Quoi? L'autre il a chopé ça, plus un verre. Ok. Par contre, il te chope des trucs. Toujours défaite valeureuse. Après, s'il m'attaque, tant mieux. S'il m'attaque, tant mieux. Je préférais largement qu'il m'attaque.
Parce que quand elle arrive, eux ils vont arriver par derrière et eux ils vont pouvoir tenir, je pense. Ah, et puis ils sont chiants, ça c'est tout leur chien. Caca ça. Je pense que je vais pouvoir. Je pense que je. Oui, je peux la gagner. Mais bien même. Tout à l'heure je disais que j'allais la perdre et pourtant je l'ai gagné, mais super même. Bah déjà ça remplacera un peu le truc, mais bon, ça va être mieux, faut juste ça. Ici je peux améliorer ça maintenant. Bon alors on verra bien. Ça se passe ici. Pourquoi tu m'aimes pas? Ah oui, bah, d'accord. Bah mais de toute façon je suis obligé. Hein. J'ai été forcé, on va dire. Ils vont m'attaquer, c'est sûr. C'est sûr qu'il est obligé qu'ils vont attaquer. Je vois pas pourquoi ils m'attaqueraient pas. Je perds rien là. En vrai, je voulais tenter de la. Je voulais la mener. Oh oh, regardez, 671 11 victimes, 300, 456. Ces petites merdouilles là, ils ont fait 200 et 100, et même ça. Je pensais que j'allais me faire dépouiller ou enfin un truc, mais pas du tout en fait. Bien évidemment que je la prends. C'est une petite tour, elle est à moi quoi, c'est ma petite. C'est mon petit truc à moi quoi. Et ben je m'attendais pas que je la prenne bah aussi facilement. Ça c'est bien ça. Ça, je viens d'avoir là. Ça fait plaisir. Quoi, on veut savoir. Ok. Donc lui ça fait ça. Ouais, nickel. Un peu de temps, je vais faire. Moi je dois te foutre un peu de constitution. Toi ça, toi ici t'as chopé deux. Attaque éclair. Au moins là déjà, ça c'est nickel. Attaque éclair, c'est ce qu'il faut. Oh, nickel. Ça va booster mes gobelins. C'est ce que je veux. C'est ce que je voulais. Ok, ouais. On va faire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai pas de production d'armement là. Non, non, rien du tout. Y'a pas d'autorité là-dedans. Ça va être ça, hein. Ben c'était pas trop mal ça. On est où ici? Renvoi de charge. Le pouvoir cette unité affiche des dégâts supplémentaires quand elle attaque des ennemis qui chargent. Ça c'est bien ça. Ça c'est trop bien même. Ça, il me faut, t'es. Putain, il faut que je retourne là-bas. Ok, il a capturé l'autre côté lui en plus. Y a pas d'autre endroit. En vrai, faudrait que j'ai défoncé. Il faudrait que j'ai défoncé parce que si j'ai défoncé pas. Et lui, faut que je lui change les. Faut que je lui change les. D'ailleurs, c'est quoi? Tu vas prendre ça, toi. Et tu vas prendre. En fait, je vais mettre qu'une seule unité, donc. Tu vas prendre ça pour le moment. Moi je vais aller petit à petit là-bas, on verra.
On verra bien. On va passer le tour. Putain, je pensais clairement que j'allais devoir mener cette bataille. Je me suis dit, ça va être casse-couille. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Je m'en suis plutôt même pas mal démerdé. Je me suis quand même pas mal démerdé. Ok, merci Sphinx pour votre témoin. On a demandé à retenir la personne de nouveaux contrats de convoi. Destination des départs arrivés tous les 10 tours. D'accord, ok. Et en parlant de ça là, je peux ajouter un maître. Lui, je peux ajouter. Eh bien, écoute, mon petit chéri. Ouais, non, par contre, Kalmos. Non, mais c'est pas forcément que lui là, que ça, hein, moi je veux. Est-ce que c'est que... Mmh. Ouais. Mais non, mais moi, c'est pas ça que je... Y a rien pour l'armement, ça me gave. En fait, t'as rien qui te fait récupérer de l'armement. Ils te font récupérer que les... Bon, la matière première, c'est pas trop mal non plus. Qu'est-ce que je pourrais choisir d'un endroit qui est plutôt pas mal? Pas du calife sorcier. C'est trop loin ça, je peux pas en plus. Non mais on va faire un truc assez tranquille alors. Mais il va aller là lui. Quand toi je peux pas, on va attendre après. Dans deux tours on verra bien. D'accord, bah ouais, grave. Grave. Là-bas. Il va me dire intrusion. Bah ouais, qu'est-ce que je te dise. Je le sais bien. Marink. Ah oui. Ouais, mais c'est en global, non merci quoi. Ouais, je peux en choper deux. Je peux en faire deux là en vrai. Dégagez ce vaurien là. Celui-là là, je me dégagez, je me sers à rien. Un moucheur. Ok, ça marche. Demander faire de la diplomatie, je pense pas que c'est nécessaire. Parce que pour le moment, j'ai vraiment que dalle. J'ai personne qui est avec moi. J'ai personne qui est contre. Pas un grand monde qui est contre moi. Tant pas longtemps. Donc bon, on verra bien. Faction détruite. Ok, merci, c'est fort aimable. Mmh. Ok. Oui, ça je sais ce que c'est. Armure brisée, d'accord. Ouais, ok. Et au niveau... j'aimerais bien le garder un peu. Pas mal ça. Ouais. Au niveau ça, pour le moment, ça me... D'accord. La sorcellerie, pour le moment, ça va. Je peux pas les avoir, donc ça sert à rien. Ok. Est-ce que tu fais un vide, ce serait pas... Pas mal ça. Voyons voir ce que je peux faire. Petit taureau là. On va faire ça. Et après je verrai. Ça marche ? Retour. Oui, pour la thune.
C'est même pas une question, mais c'est surtout là-dessus là. Qu'est-ce que je peux faire ici là? Ouais, mais je suis trop en manque de revenus pour le moment. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, alors eux ils l'ont chopé. Et pour le prendre, il faut 112. D'accord. Mais moi je peux aller là-haut, par contre. Normalement. J'ai peut-être aller déclarer la guerre à eux après. Ils doivent avoir un machin là-dedans, là, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Merde. Un avant-poste. Il me semble pas qu'ils y ont dispo à ça. Je crois pas, moi. Voilà. Nickel. Voilà. Je peux disposer de ça. Je suis pas forcément obligé. Et ça, ce serait pas mauvais, pas mal ça. Ça, j'aimerais bien ça. Si j'arrive à 150, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Si j'arrive à choper ça avec capacité colère. D'accord, et là, c'est quoi ça? Ça m'intéresse, et ça m'intéresse. J'ai même pas regardé, et ça fait quoi ça? Ah ouais. Faut qu'on se dépêche, faut que je me dépêche là-haut en fait. C'est tout. Ça te confédère une... Ça te confédère une armée. Ouais, je vais faire ça. Hashutzgorm. Non, ça baisse pas, ça. Akru. Gabarardun. Non, mais... Ah oui, on voyait un convoi. Non, il y a un cadavre, on va l'envoyer. Toujours pas. Après, si je peux choper de la tunasse là. Non. T'as pas poulet toi ça? Putain, il est déjà à moitié? Mais non! Je sais pas. Ah, mais non, mais c'est pas lui! Je suis débile. On verra. Alors. C'est pas la peine lui. On va faire ça. Écoute l'autre gueuler là. Non mais ça va?
Il est fou furieux, lui. Ça y est, il a tenu. Peut-être pas. Il respire. Faut prendre un gros souffle. Vous devez garder un œil. Oui, sur je les sais. Finances. Faites attention à votre trésorerie. Je prends un peu plus là. Car votre déficit actuel vous privera entièrement de fonds si aucune mesure n'est prise pour le corriger. Ne t'en fais pas. Regarde. Tu parles pour dire de la merde. Lui, il a carrément du revenu. Akso Ardugal, Subjugitash. Capacité ingénieur infernal. Ok. Restant les points de vie d'une unité portée dans la tribu infernale. Je sais, faut que je vois qui c'est. Coureur pour le. Ok. Je sais pas si je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre ça. Mais je sais pas qui c'est. Je me rappelle pas qui c'est qui a ça. Je vais me déplacer vers le bois. Puis pareil, je vais faire la guerre pour cela avec eux et Vich. Eux, ils viennent pas me faire chier. Je pense que je vais te rejoindre où ça? Dandaulk. Est-ce que même je pourrais pas le tuer juste avec mes unités là? Je pense pas quand même. Moi je pense pas là. Il faut qu'on se batte. Il faut se battre très vite. Si on se battait pas, l'efficacité elle est pas bonne. Il faut se batting. Ah tu vois, vois-moi ces vents de magie là. Ça me fait perdre lui. Ouais mais ça reste que 10 tours. Non, je ne peux pas me permettre votre de puissance militaire est forte. Mais je suis pas censé avoir de la thune là quelque part. Qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe, ce qui j'ai pas regardé ce que je faisais. Je suis pas censé, attends. Ouais. Qu'est-ce qu'il a gagné lui? Mais gros, mais les mecs qui gagnent des trucs, tu sais pas d'où ils sortent. Te gagne des choses, le. Ils sont pour là pour rigoler, t'es. Qui part pas ça. Ça se construit bien, bien, bien. C'est quoi? Gariana du chaos. Un autre canon apocalyptique. Alcool. On va voir juste un petit. Alors, si je déclare la guerre, forcément je déclare la guerre à lui, hein, mais. Oui. Mais bon. Je crois que j'ai fait un poste avancé. Je vais refaire une usine. Qui a gagné ça? Je lis. Ça m'énerve. Tout à l'heure, je lis pas là. Je lui pose couche feu, t'es.
C'est lui qui a gagné ça. Voilà. L'azur de Grazak. C'est ça, il a gagné ça. Ok. Celestial General. Ok, lui il va pas rigoler, je pense. Ok, il a ça. On fout de l'autorité. Vilish il va débarquer. D'accord, lui il a pris ça mais il ne fait rien dessus. Alors je pourrais prendre ici mais putain mais ouais mais ce serait trop intéressant mais. Il faut que je parte, il faut que j'arrive le plus vite en haut. Si j'arrive à confédérer les autres, ce serait trop bien. J'avais dit que je voulais quoi ici? Ça. Dès que je suis à 150, je chope ça ou. Non, il faut que je chope ça en premier là, dès le début là, attends, c'est où? Ça là. Faut que je chope ça là, dès le début. Faut que j'arrive à choper ça. Si je le chope là. Je vais aller loin dans la life. Est-ce que par mes gardes. Je me sens mieux là. Tu prends pas la tour la tour. Je la prends, moi. Tu prends pas. Je prends. Attends, mais. Voyons. Et puis j'ai. Je vais pas me faire mal pour récupérer ce qui est ici. Hein. Ok, d'accord. Vilish est ici. Instrument of the Divine. Si Vilish est ici, tant mieux. C'est de même pouvoir aller choper sa forteresse. Étonnant qu'il ait ça lui. Qu'il ait des barrières. Je pensais pas qu'il pouvait. Mais alors vraiment pas. Hein. De la main d'œuvre, il va me falloir de la main d'œuvre, j'en perds trop. Comment tu sais, mec? Peut-être qu'elle m'a répondu. Il m'a démasqué, il m'a démasqué. Je vais la raser celle-là. Là. Tour de justesse. La raser, la mettre en. La mettre à sac.
bastard. Whose praise are putrad. La thune, la thune. Faut de la thune là. J'ai rien qui produit de l'armement là. De matière première. Alors, je vais me permettre de faire ça d'abord. Chope-les! Esquive-les! Trop bon. Je suis trop bouche bée. Il a défoncé Village ou quoi? Dabarardun! Dacta Eldramos! Il est ici, toi. Viens là, te dis-je. Convoi disponible. Je vais ajouter un maître. Non, là il me faut de la... Ouais, bah si, il me faut de la thune, mais bon. Non, en fait, il me faut de la manœuvre là. Un endroit qui me fournit beaucoup de manœuvre. 800. Dans 5 tours. Dans le trajet, 15 tours. On va faire ça d'abord. Allez, fonce. T'arrêtes pas, poulet. Okay. Lui, il rigole pas. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! C'est un fou furieux, lui! C'est un fou furieux! J'ai un copain. Félix, le problème c'est qu'on t'éradique ton armée, là t'es fini après. Fatatak. Ah. Là ça rigole pas. Fatatak. Fat attaque. Zatan le noir. Tuer 3000 ennemis. D'accord. Ouais, déjà, on est beaucoup là, voyons. L'industrie. Ouais. Pas le faire. Il est là. Sauf qu'après le prochain tour, Don't even think about it. Une petite armée qui aime bien sympatoche. Raj Arbu Fahasut Rajal. Mais la question, est-ce que t'es sûr? Pop. Let's Watal. J'ai pas vu qu'il y avait ça. En vrai, j'ai ça.
Ouais, non, je pense que. Je peux tout faire en fait, j'ai pas fait gaffe. Axo Ardual! Famine, stop it! Il a déjà ça. Non, il faut que je garde un peu ça. Rick, one of Karazi Bartu Harnachron. Je paye aussi cher pour toi, mon chéri. Il me faudrait ça là. J'ai ça en vrai, ça pourrait m'avancer pour beaucoup de choses dans la partie. J'ai pas fait gaffe au tir. Bon, j'ai pas fait gaffe, non, c'est pas ça que je l'ai fait. Finish, il va peut-être venir là. Il a pas bougé. D'accord. Ok. Il n'a pas daigné à bouger. Est-ce que ça m'arrange? Attends, dire ça de suite. Non, comme toi, t'es neuf. Mais depuis tout à l'heure. Là, il me manque ça, là. Et puis je commence à voir ça, là. Là, je pense qu'il va venir me défoncer. Alors ici, j'ai une victoire à la Pyrrhus. Bon, je pense que je peux la gagner. J'aurai mon taureau là-dessus là. On va tenter. Parce que si je fais ça. Mais en vrai non, c'est pas que je vais les perdre, mais. Ouais, si, si, je vais les perdre. Mais je veux dire, il va falloir que je retourne là-bas, le chercher. Vélich, il peut revenir, me baiser le truc. Ah, ça c'est bien. Parce que je peux les attendre dans un coin. Et ils vont être obligés de venir m'affronter au corps à corps. Et ça, je préfère avoir ça. Qu'ils aient pas de moyen de me contourner. Parce que les chiens ils vont me faire chier là. J'ai ça aussi, ça j'ai oublié. Moi je vais me mettre à un endroit qu'ils aient. Attends. Quant à toi par contre tu vas te mettre là-bas. Quant à toi t'as déplacement d'avant-garde donc tu peux te mettre. Des endroits inattendus.
Alors déjà d'une, avant de faire ça, mets-toi là. Là. Là, je les vois pas. Quel. Ah ouais, là. On va mettre plus de trucs possible. Je ça. Là, tu mets. Vous faites pas avoir. Ce qui est pas, vous allez arriver, vous allez choper un peu. Même eux là. Ok, ils vont tous être en position. Ouais, il y a du. Quant à toi, dès qu'ils sont. Dès que t'es opérationnel, c'est-à-dire maintenant, tu tires. Des maraudeurs, armes lourdes, maraudeurs de Tsetch, c'est ça qu'il faut baiser. Il a tiré ? Ça met vraiment du temps à tirer. Faut que je vise là, comme ça ça va défoncer ceux qui sont derrière. Eux par contre ça va les faire chier, hein. Parce qu'ils sont derrière, ils pourront pas venir. Vas-y. Est-ce que ça va faire de gros dégâts? Ils sont ébranlés. Putain, j'ai pas fait gaffe. Sure, who does that? Who's
Nickel. Putain, je pensais pas la gagner. Victimes monstrueux, genre juste monstrueux. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Immunisé contre la psychologie là, je crois. C'est n'importe quoi. 312 victimes. Ils tankent bien ces nains là. Ils me font plaisir moi. Putain, ils n'ont pas pris de PV. Hein. Il me semblait les avoir vus perdre beaucoup de PV. Bah. Moi je dis pas non, Trevor. Mais le truc c'est qu'on va manger chez Nathan ce soir et après on revient. Je vais essayer de. On va essayer de se dépêcher. Mais si tu veux, oui, pas de soucis. Il revient là, il est en train de revenir. J'ai de quoi les tuer, je pense. Mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Me dis pas qu'il a déjà pris. Putain, c'est nickel. Putain, quel enfoiré! Il m'a pris ce que je voulais! Quel enfoiré, quoi!
pouvez pas prendre autre chose, il faut qu'il me casse les couilles et qu'il prenne ça là. Endrinkuliskun. Il est tout bifant. Victor est de juste tasse. Oh, je continue le siège. Attends, et s'ils disent quoi si je fais d'attaque éclair? Waouh! Il perd énormément. Vous direz pas, mais lui là, il est sournois celui-là. Hein, me piocher où celui-là là? C'est ici, là, je ne voulais pas avoir mis ça. Il y en a un là depuis tout à l'heure. C'est un gros malade là, je l'entends depuis tout à l'heure. Qui va me rattaquer? J'aimerais bien moi. T'es obligé. Oh ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Bah non, ça vaut le coup. Peux choisir cette colonie. Ouais alors sûrement pas. Parce qu'il me faut des esclaves là, il me faut des. Il me faut des esclaves quoi. Ah non, un peu de. Il faut des objets là. Ah oui! Vois ce qu'ils ont dans leur armée. Truc de dingue. La thune. Juste la thune. L'autorité. Juste ça pour le moment. Ça me bat très bien. J'arrive. Ça, j'arrive dans pas longtemps, t'inquiète. Soumazma! Chopez-les! Maori tatagi! À ta guise. Abdarnu tabarag! Oh, pardon. Tabernak! Oui! Mais vous pouvez pas dire le contraire, ce qu'il vient de dire c'est vrai quoi. Le problème là c'est que ça a demandé Il va falloir qu'il ait sa part lui aussi là les gars. Bon je veux bien mais s'il a pas sa part. Pour le moment, il ne demande pas de part, il ne demande pas de trucs. C'est moi, il ne demande rien. Voilà quoi. Oui, tu peux crier.
Je suis content, j'ai de la boule là. Ouais, ok. Ça c'est bien. Étonne. Ah, c'est bien là, c'est bien. Il va se faire choper, lui je vais se faire choper. Subjugitash! Barakaras! Raja! Ok. Thune. Pas de thune. Attends. Pas 6000 là. Il tire! En vrai, ça m'intéresse pas là. Ah oui, pas mal ça. Ah oui! Oh, mais je la pique en plus. Avec fierté. Hein. Et. Ouais. Attends, j'ai pas compris que je peux recruter un héros pour vous. Je suis content. Bon, on prend tout le haut. Lui, il y a de la reconstitution en tout cas. Là, tu pourras pas dire. Et collecte. Comment il va, mon pote collecte? Il collecte? Douze par tour. Ah, je peux avoir ça là aussi. Ah ouais, on va la rater. En vrai, le truc, c'est que j'ai envie d'en avoir un de chaque. C'est où ça? Ok. Inarrêtable. C'est une unité extrêmement efficace pour repousser les unités ennemies lors d'une collision. Ok. Cette unité peut être restaurée en combat grâce à la capacité reforgée de l'artisanal démoniaque. Ok. Unité un peu poké les dégâts de toute sorte, ça passe mieux. Ok. Quant à toi. D'accord. Et toi? Je pense que je vais plutôt faire. Ouais, mais je crois que c'est une machine qui leur fonce à la gueule, ça. C'est pas une machine. Ouais, voilà. C'est pas une machine à distance. C'est une machine qui fonce à la gueule. Ok, derrière.
ça. Oh, il faut chier toi et toi. Ça me fera de la thune. Il a réussi à choper ça quand même. Quand même. Ah, j'ai pas de thune. C'est réglé comme ça. Bon, j'ajoute un maître. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est pas de la thune, c'est... Voilà, avoir ma thune comme ça. Fatal. Oui, t'es fort. Faudrait là, c'est d'avoir un peu de tout sous là. Oh petit. Doc Axol. Voilà mon poulet. Ce ne sera pas possible. Je ne pourrai pas accepter ta revendication. C'est quand même malheureux que je puisse pas l'accepter. C'est quoi que j'ai vu là, toi? Bam. Atanda uskarak munga. Axo Ardugal. Ardugal. Tempt me not. La chance d'avoir chopé ça. Oh, calme-toi, gros. Grau. Admiral of Kar's fleet. Agree. What? This matches my own interests. Est-ce que... En vrai, si je chope ça, est-ce que je... J'ai pas beaucoup de sous, les copains. Moi, je veux bien, mais il me faut des sous, hein, les petits. Je vais mettre 1000, mais... Il me faut des sous-sous, quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre, là? Avant usurpation. Avant usurpation. Mais ils sont pas là, alors c'est le même. Ah, je vais avoir... Je veux des copains. Oui. Oui, bah bien sûr. Mais regarde. Eh bien écoute, on fait comme ça.
Pourquoi il me demande pas de... Ah, parce qu'il n'y a pas de boulot, c'est tout. Y'a pas de taf, c'est tout, y'a pas de taf. Y'aurait du taf encore. Y'aurait du taf, ça pourrait se comprendre, mais là y'a pas de taf. Alors comprends-le ça. Je le déteste lui. Maori Tatakio. Je peux voir. Il est beau, je peux voir. Je le vois. Alors je peux en reprendre. Puis après on est bon, je pense. Suru Garas. On a pas fait pour les copines. Pour les copines, bonjour, bonjour. J'en ai déjà un mammouth. Ouais bah quand je pourrais je le ferai. Après, faut que je garde ça là pour améliorer mes trucs. Là. Après, les mecs ils ont des idées de foufou aussi. Je suis désolé de le dire, mais c'est n'importe quoi. Là, j'arriverai plus à les défoncer. Là, moi, ça me dérangerait pas. Du temps, même décisif, même. Même pas besoin de la mener, voyez-vous. Donne-moi ça, t'es. Et plus 100 de cargaison, en plus. Vous allez vous calmer, vous. On va pas être copains, moi je vous le dis. Point
Karaz and Karazha. Personne le veut ici. Il aurait fallu le. J'aurais l'autre truc là qui fait spawn les. Qui fait invoquer les autres trucs là, ce serait trop bien. Là tu me l'as appris. Ok. Faut que je garde des sous. Si je garde pas de sous, je vais rien pouvoir faire. Mais ouais, mais je suis désolé, mais je suis obligé de faire une intrusion pour venir chez vous. Lui il est intéressant. Bah, je vais faire un truc gentil, tu vas voir. Si je récupère ça, je te la donne. Aucun souci, la ville. Déjà, non seulement parce que ça me fait des sous. Voilà. Oui, Zatan. C'était bien moi. Ankarezu incarnata arbu hasho. Death to all who transgress against me. Calme-toi. Regarde. Non, je donne pas de la thune. Sûrement pas. Je vais mettre de la thune. Je voulais être cool.
suis un Greg. Eric ou Greg? C'est en train d'arriver là. Axo Ardugal. Marink. Marink. Rajar. Moi ça tue. Le petit va s'énerver là. Dakata Elglamus. Vivement j'améliore toute leur merde là jusqu'à la fin parce que. Qu'est-ce que ce soit ça? Bah ouais ça m'intéresse. La thune. Et voilà. Bon. Je vais pouvoir passer au-dessus. Dans un tour chacun. D'accord, nickel. Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer ici? On voit rien. Ça me... Non. Ça me maintient pas. Ah. Et parce que je voyais des ratas qui ont fait un carnage. Me dis pas que les ratas vont éradiquer quand même le caté quand même. Ah oui, il a chopé ça. Et l'autre, bah oui. Mais normal, hein. Y'a rien de logique, quoi. Enfin, y'a rien qui me surprend, perso. Ça va pas plus ça? Bah écoute, amuse-toi, mais on est des bons copains, moi je te le dis avant tout. Et s'il y a besoin, je viens t'aider pour les défoncer. Parce que pour le moment, moi je me fortifie, c'est tout ce que je veux, moi. Là, là, il y a de la résistance, il n'y a que des gobelins de merde, c'est trop bien. Il n'y a que de la merdouille ici. Oui, bah oui, non mais oui. Mais le problème c'est que pour le moment j'en ai pas besoin vu que je le fais, j'en prends pas. Ça, ça m'intéresse pas. Ça pour le moment non plus. Munition plus 4. C'est pour dire hein, juste hein.
Puis je vais l'appliquer quoi, parce que c'est pour faire plaisir. Mais 100% ils ont pris déjà au-dessus. Non. Ils ont pris les 3. Putain, ce mec-là, ils sont fous furieux. Il faut les arrêter, ce mec. Il faut les arrêter. S'il faut, c'est pas possible. Rashut Hanad. J'en rajoute, c'est ça que t'es en train de me dire. T'es culotté toi quand même. Hein. Si je peux avoir un petit canon de l'apocalyptique. L'apocalypse là. Je me dégage une petite merde comme ça là. Puis je la rajoute quoi. Honnêtement, après ça provoque l'intérieur. Ouais. Briseur de crâne. Oui. Pardon. J'ai des convois qui sont disponibles et ça, ça fait plaisir. Non. Chenard de qui? C'est pour qui ça? Ça c'est les rats ça. Ça c'est les rats tous. Pardon. Allez, on passe le tour. Je coupe avec les ratas. C'est des potes à moi. Subjugitash!
Instrument of the divine. J'aimerais bien être. Snitch, master of death and kill. Que vous l'arrivez mort, bien quoi. Je sais pas ce que vous en pensez si on peut. Si on peut, on peut bien s'entendre. Je le sais. Je le sais qu'on peut. Alors. Vous allez fermer votre gueule. Tu as fermé l'autre gueule, t'es. Allez, on se voit le 2. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Et j'ai l'impression que les tours ne passent pas. C'est quand même. Qu'est-ce que là-dedans je peux choper? Eh ben que dalle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Oh. J'en ai un. Ça fait peur. J'ai eu peur d'un coup, c'est venu comme ça. Est-ce que je pourrais pas. Alors, il est en train de vassaliser. Il a vassalisé tout le monde. Et est-ce que je pourrais pas commencer à me diriger vers la boue? Parce que, au bout d'un moment, si je fais rien, je vais me branler les couilles. D'accord, ok. Mais je savais pas que vous viez là-haut tout de suite. Je suis grosse. Et bah ils se sont fait avoir. Est-ce que nos relations vont mieux? Je vois que c'est pas encore ça. Ah merde, je fais du commerce avec avec collègue en plus. On va se calmer. Y aller tout en douceur. Avant de déclarer la guerre, on va aller se renseigner un peu. Salut. Bon, je vais garder. Calme-toi, poulet. Calmos Pulitos. Ok, ouais. Alors honnêtement, je crois que j'ai ça là. Ça là. Bon, je m'en fous. Mais j'ai ça. J'ai ça qui me débarque sur la gueule. Et je me fais punir. Est-ce que ce serait pas mieux? Ouais. C'est ce que je vais faire. J'ai une meilleure idée, tu vas voir. Non, non, on va arrêter avec ça. Rick, get it, Alas. Je vais attendre qu'il vienne, t'es. Axo Ardugal. Abdarno Hasgal. Je vais attendre qu'il vienne. Oh.
Non, on y va tranquille. Watcha! Eh ben, moi je vous le dis, hein, on va être copains. Hein. Attends. Tentez un truc. Et je suis con. Si je déclare à la guerre à lui. Disappointing. Bah, I was restless. Bah voilà. Bah ce côté, c'est pas cool ça. Si je me fous en embuscade là. Embuscade. Alors, voilà embuscade de fou. Voilà l'embuscade de fou. Je veux qu'il vienne m'attaquer. On est copains, je te jure qu'on est copains. Bon, on est moins copains. Je t'ai quand même passé une ville. Regardez qui c'est qui est là. C'est ce que je joue depuis le début, quoi. Tu mets dans le piège quoi. Non mais aussi simple que ça. Undrim della. No. Gorkals. Bon, c'est sûr que t'as la fille. Oui, bon, t'es d'un point, ça va rigoler, toi. Madoc, rends-moi mon bas. Donc pas la... il m'attaque pas non. Ouais. Akuru.
Putain, gros, il parle long. Dakata Elglamus. Zichtem ta face. Ça me fait chier parce que je perds des unités que je veux pas perdre. Donnez-moi mes esclaves. Grimas da Barartu Raj Arbu Karas da Drodjar Brin. Voyons voir. Ils vont m'attaquer, je vais pouvoir partir, je pense, et je pense que je vais pas me faire. Je vais pas me faire tuer. Tuer. Ah non, bah tant mieux. Ça leur donnera un peu de... de force. De parachute lui hein. Je sais pas s'il y a l'autre qui va être là. So imdrengi. Hashut vengrin uskazital. Stratsta arak. No. Marik. Mata Indrin Kuli. Écoutez la blinde lui encore. En fait là je suis en train de... Le problème c'est que je suis en faisant des usines, je suis en train d'améliorer le plus en plus les. Udiol
Tia. Dia. Ça va faire moulter. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ok. Ajouter un mètre. Voyons voir ça. Un peu la baston là. Bouge pas. Et l'autre se barre. Bédin mais... suivant là. On n'est pas là pour rigoler. Hein.
Kazakh monger. Suru Garas Gott. Grimal Gabarartu. Is a rink. Qui gueule comme des putois, c'est un truc de fou furieux quand même. Is idu. Und makas betas. Pardon. Doucement, monsieur. Non. Alors, s'il ne reconstitue pas des armées, je comprends pas. Satan is victor. Ok, c'est vrai. Et lui, il vient là. Non, non. Zuma. Bon, vous coûtez énormément cher. Ça fait 5 ans, 25 ans. Parce que vous me coûtez, 1005. Gaffe à son chemin. Peut-être me battre là. Voilà. C'est bien, c'est tombé. Putain, je suis collé à la garnison. Urki is the best as a terry. Ajoute un mangeur d'homme. Et là par contre, bah, pourquoi tu fais tout le tour comme ça? L'autre penard, il fait tout le tour. Eh ouais, mais ouais. Mais ouais. C'est quand même bête. Hein. C'est quoi ça? Allez. Ta Kazakh. There is soon na igrat runle. De yesun e negratun. Qu'est-ce qu'il a dit? So imdreng. Pas mal, c'est ce que je viens d'avoir.
Un convoi qui est disponible. Qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que je vais pouvoir t'envoyer? Il y a des combats qui seront tout le temps obligés là depuis tout à l'heure. Moi j'aimerais que tu me ramènes. Hop, attends. Deux secondes. Hop. Je reviens, j'en ai pour deux minutes. Me revoilà, désolé. Quelque chose d'important à faire. C'est une petite technique. Quand tu peux pas partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en fous. Désolé. Non, non, c'est bon. Atanda uskarak munga. Aksho Ardugal. J'avais pas besoin de lui, j'aurais juste aller là lui. Il va prendre les autres. Passer le tour. Qu'est-ce que c'est que ça, ça? Ah, j'ai dit ça va attaquer ma cargaison ou quoi là? Nefiat Mainat. Oh merde! Ah ouais, quand même! Bah ça a été radical, hein!
Faut pas abuser non plus. Enfin, je dis ça, mais non, mais si, en fait, si. Vous êtes jolie armée. Lui, il va venir aller défendre son pote. Alors, son pote, il est là, quoi. Il est en rouge. Non, je vais améliorer. Allez, j'améliore ça prochain. C'est bon. Non! Il me semblait de ne pas avoir fait avancer. Il me semblait pas l'avoir fait avancer. Bon, il va pouvoir reculer, mais bon. Ouais, puis en plus, ses collègues. Défaite de justesse! L'autre, ils sont pélec, hein. Il a combien, lui, en ça, là? Ah, il a pas encore un peu. Bah écoute, on tourne en bas. Écoute, tu veux pas la voler. Bam, voilà. Arrête de compliquer, quoi, mon boyon. Non, attends. Bon. C'est pas grave, il y a du... T'as carrément fonction détruite, quoi. Ça me surprend. Abdanarun fam. Arak. Nickel ça. Oui, j'hésite. En vrai, ça me fait chier, mais. Regarde, bam et bam. Vous êtes content? Bah non, parce que j'ai déjà plus rien. J'ai déjà plus rien. T'as 800 attaques. C'est fou, quoi. Par contre, l'avantage, c'est qu'en un tour, il récupère tout son armure. Ça, c'est un putain d'avantage de fou. Qu'est-ce qu'il le disait? Ah non, mais il pas. D'accord. Désolé. Ça m'intéresse. Ça me génère une armée. En fait, ça me génère une armée d'autres gobelins. Donc à tout moment. Parce que là, je fais pas de matière première pour le moment. Il faudrait que j'ai de la matière première. Voilà.
Oui, c'est pas mal ça. Moi, ce que je te propose, c'est d'enlever ça et de mettre ça à la place. Ça, c'est une proposition comme une autre. Il est déjà là, lui. Ah, tu veux un traité de paix, toi? Ça va être compliqué de faire un traité. J'ai même pas besoin, voilà, tu l'as recruté tout seul. Là, j'ai pas trop confiance, on va reculer un peu. Subjugitash. Eh ben regarde. Voilà. Naughty was of Uzdana Azatergi. Regarde, il a une jolie armée lui. Bon, il faudrait un peu plus d'infanterie. Parce que je trouve que déjà ça c'est déjà nickel. Un peu plus armé, il revient, c'est terminado. Finito de la pipoto. Il va reprendre ça, lui, c'est obligé, c'est sûr. Mais tant mieux, ça me fait des esclaves. Et imaginez sur Warhammer 2, ça, il le fait, il perd la moitié de ses unités. Il perd la moitié de ses PV. Allez, hop là, regarde. Cadeau. On dirait qu'il parle. J'ai reculé aussi loin, sans déconner. Bon, après, il va pas avoir grand chose, mais bon. En bas là. Ma corne grasse. Summas. Anu warak. Upelum mingol. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà. Colonel Moutarde. Absolutely not. Fait chier lui à vouloir venir ici là. Pas me mettre. Not ever. Axo Ardugar Rajar. Uz praise Arbudraj. Is rink Ustadisban.
Deia et Gramgi Etna. Est-ce que... Il n'y a rien par là. Tout à l'heure on était au courant, on n'a rien eu. Hein. C'est pas cool. Hein. Tiens, tiens, tiens. Peut-être que ça c'est intéressant. Fonce, copine. Alors honnêtement, je sais pas ce que je viens de déverrouiller là, le truc là. Ça doit être fort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? T'as vu tout ça? C'est quoi ça? J'ai pu l'améliorer jusque là ça? Jartan Udiol Prodni. Je peux mettre que 3. D'accord. Ils ont un joli truc. Hein. Bon, je passe ce tour et puis après je pense que je vais devoir je vais peut-être m'arrêter là. Le collègue va me reprendre le pic du blizzard. Hein. Pas du tout en fait. J'étais persuadé, mais pas du tout. Attention, on est pratiquement en un tour, il va résonner. Abdarnu Tabarag is the Kazakhmonger. This bag. Il y a qui est gaucher ou qui est droitier? Raj Arbu. Après là, lui, il a une bonne arme. Après, il y a des gobelins. Des gobelins, bon. Franchement, ils sont dans le bas de là. Tout à l'heure j'ai que des trucs de reconstitution d'armée, c'est des trucs de fou furieux quoi. Oui ça je l'améliorerai, t'inquiète pas. Bon voilà les amis, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais me stopper là. On a fait combien de temps? Oh, pratiquement 4 heures de live, c'est pas mal je trouve, pour un début. Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite, là c'était le début. Ça... Là, c'est le début encore. Hein. J'ai pratiquement des unités faibles, hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Hein. Bon, à part ça, ça, ou même des trucs comme ça qui sont. Ça, même ça, qui sont OP. C'est tout ce que j'ai. Allez, j'ai même une armée qui est catastrophique. Hein. Enfin bon, bref. On va s'arrêter là. C'était super cool ce début là, je connaissais pas les nains du carreau, et bien écoutez, j'adore. Enfin j'adore, c'est un grand mot, c'est plutôt j'aime, je kiffe. C'est vraiment un bon truc à faire. C'est très compliqué au niveau de ces carreaux là, mais au bout d'un moment on s'y habitue. Mais ça va. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous follow, surtout. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, je mets les rediffusions sur YouTube. J'ai des rediffusions avec Seb, même de LOL. J'ai un peu de tout. N'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube aussi, à les follow. N'hésitez pas à vous follow sur Twitch. Bientôt, je viendrai sur TikTok. Je suis en train de préparer ça. Petit à petit. Voilà. Et bien, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.